m'appelle Sébastien Desmontils et ça fait maintenant 10 ans que je suis professionnel à temps plein dans le monde des courses, le pur sang en particulier. J'ai commencé en tant que propriétaire dans le milieu des courses au travers d'une écurie de groupe que j'ai créée qui s'appelle l'écurie Brillantissime. J'ai rencontré Sébastien Desmontils lors de la constitution de l'écurie Brillantissime. Depuis ce jour, nous collaborons régulièrement ensemble sur les différents projets qu'il souhaite mettre en œuvre, que ce soit sur la partie élevage, courtage, achat et vente de chevaux. On est dans un secteur où nous on est des passionnés, on a une activité qui est du lundi au dimanche, on a un peu la tête dans le guidon. On peut être homme de chevaux ou homme de terrain sans forcément être des personnes très calées en administratif et en suivi. Et c'est vrai que c'est génial de pouvoir se décharger de cette partie-là sur une structure qui est très compétente et qui sert, est un gage de qualité en lui-même grâce aux personnes qui sont recrutées par cet organisme-là. C'est beaucoup plus facile de pouvoir communiquer avec ces gens-là qui finalement partagent notre passion au quotidien, et je pense notamment à Lorraine qui est cavalière, qui est très investie dans le développement des écuries groupes, dans lequel c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de compétences juridiques spécialisées jusqu'à ce qu'elle arrive, et aujourd'hui c'est devenu un peu la référence du terrain, autant chez France Gallo que chez nous les professionnels. C'est intéressant de pouvoir travailler sur du long terme avec les clients, de créer une véritable relation de confiance et de les accompagner dans les différentes missions juridiques, fiscales, économiques, et avoir une vision globale des dossiers, c'est vraiment pour moi un atout considérable. C'est ce qui fait la qualité des services proposés par Equicer. C'est très intéressant de pouvoir bénéficier de ces professionnels qui sont finalement à la pointe de notre industrie en termes de compétences.